côté, l'extrême droite et le Rassemblement national sont également montés au créneau. Oui, Samuel Lafont, par exemple, attaché parlementaire auprès de la sénatrice LR Joëlle Garriaud-Mellama, mais qui est surtout connu pour ses prises de position souvent proches de l'extrême droite, il a publié cette version de la vidéo accompagnée de cette question. Toujours aucun rapport avec l'immigration, assorti du hashtag La racaille tue. Un autre exemple avec Nathalie Germain, qui s'occupe de la communication numérique au Rassemblement national et qui a pour sa part fustigé la racaille qui continue sa violence gratuite envers les femmes et les Français en plein Paris. Alors l'affaire pourrait s'arrêter là. Le seul problème, c'est que certains ont tenté de comprendre pourquoi cet homme poussait cette femme. Est-ce que c'était simplement une agression gratuite ou pas? Et soudain, hier, sur les réseaux sociaux, est apparue la version complète de cette vidéo, une version qui raconte une autre histoire, même si ça ne justifie pas, bien sûr, le geste de cet homme, mais ça raconte une autre histoire. Oui, c'est une version plus longue qui a été publiée donc un petit peu plus tard, alors je vous propose de la regarder ensemble. Difficile de comprendre vraiment le contexte, mais on voit la femme qui s'en prend tout d'abord à l'homme au téléphone. Lui semble en tout cas, pour l'instant, pas agressif. Le ton monte, elle jette quelque chose à terre violemment, c'est peut-être un téléphone. Elle lui assène un coup avant que lui ne riposte, la poussant brutalement du haut de l'escalier. Elle dévale l'escalier, tandis que l'homme s'éloigne. Voilà, c'est la même qu'on est en train de revoir. Contrairement à ce que laisse penser la première vidéo, des personnes présentes autour s'en mêlent après un moment de stupéfaction. La victime parvient finalement à se relever avec l'aide d'une passante. Elle ne semble pas grièvement blessée. Son agresseur quitte quant à lui les lieux sous les cris des passants. Et donc, comme l'ont souligné des internautes, ça n'ôte rien à la gravité du geste, mais on ne peut pas parler d'agression gratuite. Effectivement. Voilà donc ce qu'on voulait vous dire sur cette vidéo, parce que ce qui est important de noter, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas se laisser manipuler par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Du coup, l'idée est de savoir si ces images ont été manipulées par l'extrême droite pour servir leur discours. La victime a déposé plainte samedi soir et son agresseur interpellé hier matin. Il s'agit d'un individu d'une vingtaine d'années, déjà connu des services de police, et lors de son audition, la victime a déclaré être toxicomane et elle a expliqué qu'il s'agissait de son dealer, confirmant donc que ce n'était pas une agression gratuite. Voilà, cette affaire donc montée en épingle a au moins le mérite d'inciter à la prudence. Voilà, ni gratuite ni en rapport avec l'immigration, puisque c'est en fait une histoire de drogue, une histoire de dealer et de sa cliente. Maître Steve Rubin, un petit mot juste peut-être là-dessus qui montre comment on peut manipuler des images. Parce que c'est vrai que je comprends que tout le monde ait été ému samedi en voyant juste cet homme qui passe et qui jette cette femme dans le métro, dans les escaliers du métro. Simplement, il y a une histoire, encore une fois, on le redit, qui ne justifie pas son geste, mais en tout cas, on comprend mieux, et ce n'est pas du tout une histoire d'immigration, en fait. Non, mais comme d'habitude, hein, prudence. Lorsqu'on a des vidéos comme ça qui sortent sur la toile et sur les réseaux, il faut évidemment être très prudent, même si effectivement l'histoire qui est racontée aujourd'hui ne justifie absolument pas la violence du geste. Elle s'en est sortie manifestement indemne. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Imaginons un instant qu'elle ait pu heurter avec sa tête le coin d'une marche. Évidemment, c'était beaucoup plus grave. Et là, on est quasiment sur une affaire criminelle. Ouais, effectivement. Et Maurice Signolet, ce qui est intéressant, c'est la manipulation des images aussi dans cette affaire. À savoir comment, quand on coupe juste le moment où il pousse, en fait, et on a le sentiment que cet homme, c'est un malade mental qui jette cette femme. Or, l'histoire raconte que c'est une affaire entre une toxicomane et un drogué, puisqu'elle se définit elle-même comme toxicomane, selon la police. Je trouve très intéressant que vous fassiez appel à la prudence, parce que en regardant ces images, je vois bien que tout le monde, maintenant, a tendance à prendre un peu de recul. J'aurais aimé qu'on prenne le même recul avec l'affaire Ziclé, hein. Puisque l'affaire de ce producteur qui a été, selon les images, battu par des policiers. Si on avait pris la même prudence, si on avait pris un peu de recul, si on avait visionné la bande vidéo sur les 20 minutes et non pas sur les quelques secondes qui ont été diffusées, ça aurait peut-être évité à deux gardiens de la paix de se retrouver en prison. Ouais, et c'est pour ça qu'on a voulu commencer avec cette image, justement, pour inciter à la prudence les prochaines fois. Autre affaire dans l'actualité.